Big Jim Nelson Show. I think you really know. On a 70 jours. La vie ne s'arrêtera pas après, hein. Mais nous sommes ici tous des adultes conscients, des citoyens, des citoyennes informées, pour la plupart d'entre nous, et nous savons qu'une magnifique occasion se présente, sous une forme pacifique, tranquille, de régler d'immenses problèmes, qui sinon finiront par se régler, figurez-vous, mais dans les pires conditions. L'énormité des conséquences du changement climatique, qui est irréversible maintenant, l'énormité de la crise sociale qui mûrit dans toutes les sociétés, venant à la fois des conséquences de ce changement climatique, mais aussi du dérèglement du capitalisme, qui est connu, mais qui va prendre une tournure nouvelle bientôt parce que les États-Unis d'Amérique et quelques autres puissances ont injecté des milliards et des milliards de monnaies sans contrepartie matérielle. Les États-Unis ont l'habitude de vivre à crédit du reste du monde. Et qu'à un moment donné, bien, tout ça finit par reproduire ce qu'on appelle des bulles. Personne ne comprend rien comment ça marche, mais tout le monde sait au moins, enfin, tout le monde, presque tout le monde ne comprend rien, mais après tout, pourquoi pas. Mais ce que tout le monde comprend, c'est qu'une bulle, ça finit par éclater. Eh bien oui, nous sommes sous la menace de l'explosion de plusieurs bulles financières. C'est tout ça qu'il va falloir affronter. Et en même temps, compte tenu du fait que la puissance dominante qui organisait le monde jusque-là est en déclin, et que ses concurrents s'en sont parfaitement rendus compte, elle devient agressive et elle provoque des situations de tension un peu partout dans le monde, et jusque sur notre continent, où pour la première fois depuis tant et tant d'années, alors même qu'on avait connu auparavant la guerre froide, qui le resta fort heureusement froide. Et bien maintenant, de nouveau, il est question de menaces de guerre sur le vieux continent, qui a déjà produit deux guerres mondiales. Par conséquent, c'est un sujet que nous prenons tous très au sérieux. Nous ne pouvons pas plaisanter, ni nous livrer à des surenchères verbales, qu'ensuite, il faut soit accomplir, soit ne pas accomplir, et par conséquent, créer à nouveau des situations confuses, désordonnées, où celui qui a crié le plus fort pense qu'il peut continuer à crier encore plus fort, et ainsi de suite, vous connaissez tout ça. Voilà. Voilà tous les défis qu'il y a à régler. À ces défis, nous apportons une réponse méthodique, mûri dans la profondeur de la société française. Parce que le programme L'Avenir en commun n'est pas une de mes inventions que j'aurais mis au point avec trois publicitaires et quatre experts, deux technocrates pour à la fin faire les additions et les soustractions. C'est quelque chose qui vient du mouvement syndical, quelque chose qui vient du mouvement associatif, quelque chose qui vient de l'expérience que nous avons tous accumulée au cours de ces années. Tout cela est dans le programme. Et nous répondons à chacune des questions que j'ai soulevées il y a un instant, rapidement. Nous y apportons une réponse méthodique et nous sommes passés de la réponse par le programme à un autre niveau qui est la réponse avec des plans. Sous la direction de Clémence Guettet, que vous avez entendu tout à l'heure, tout ce travail a été accompli et nous y sommes appliqués depuis, pour la partie rédactionnelle, tantôt plus d'un an et demi. C'est pourquoi je suis fier de vous présenter devant vous et de proposer au pays nos solutions. Parce que je sais que nous le faisons avec sérieux. Je sais que tout le monde entend que nous sommes candidats, non pas à je ne sais quelle gloire provisoire, moi moins qu'un autre, à mon âge, on ne fait plus carrière. Mais candidats à prendre en charge la patrie commune et à faire face à tout ça avec le poids d'une direction claire, d'une expérience accumulée et d'une équipe. C'est tout cela qui se présente à cet instant. Respecter la démocratie, ça n'est pas arrivé 70 jours avant une élection avec d'obscures combines pour s'accorder ou faire sortir un lapin, que sais-je encore, du chapeau. D'obscures inscriptions, votant par des délégations étranges, ou que sais-je encore. Nous sommes prêts